bonjour, bonsoir, suivant les waptan de m'nan. Bienvenue sous Palmi Sakma pour la kaye. Si c'est première fois passé par bo ici là, pas oublier wap pese bouton ça, bouton subscribe là pour capable de connecter avec nous. Nous venons porter pour vous détails sur ça qui a rapport avec TPS, Temporary Protected Status, que le département Homeland Security fait justement auto-extendé pour 9 mois. Et nous avons le bon détail qui s'allie. Mais nous avons rappelé pour tout le monde, pour précision, ça qui passe. Ce n'est pas l'administration de Trump qui bat TPS. Parce que vous comprenez dans quel contexte il ça. Vous comprenez? C'est que mon responsable dit que doit dire Trump bat TPS. Nous voulons préciser ça pour tout le monde. Il y a dans le cadre de Sandaré, il y a une préliminaire injonction qui gagne. Dossier ça à la justice, il faut comme ça. Il a commencé dans Californie. Donald Trump t'a fait un appel, il gagne un appel là, mais il se trouve que le juge là pour qu'on ait directive pour appel ça, qui une fait injonction pour décision Californie a toujours de mise. Par conséquent, tout autant qu'injonction ça de mise, yo pas qu'à bloquer TPS là, ok? Donc c'est ça bon comprendre là, yo pas qu'à camper, yo obligé auto externe et nous toujours voulu rappeler pour tout haïtien captain de nous que yo même yo gagné deux procès. Nous gagnons le procès de California, injonction California, même gagnons ça à New York là tout. Ça est important pour qu'on ait et que dans objectif pour t'achever et TPS pour haïtien, il faudrait que j'en ai toujours dit que l'administration ça arrive à la fois casser décision dans California, mais faut tout faut arriver casser décision qui est justement dans New York là. Il est arrivé casser on dit cassé décision California, mais elle pas fini puisque leur on juge fin cassé en décision en appel pour finaliser décision ça faut la directive qui gens au pral implémenter décision là ça que votre co fait qui vient faire on dit c'est ça qui sauver la vie et de trois l'autre côté tant que Salvador et autres puisque eux même pas gain extension ça du tout non là vous comprendre extension 9 mois ça là. Et c'est à cause de pour qu'on gagne directive. Maintenant, on allons aller dans le détail. Dans le résumé, il dit notice ça. By the way, notice ça est supposé publier dans le Federal Register 9 décembre. Il dit à travers notice ça, le département de la sécurité a annoncé que l'a continué justement observer. Préliminaire injonction, la mettre en accord, compliance. La, on va observer préliminaire injonction d'abord de U.S. Court Northern California, c'est Santé de Ramos vs. Nielsen. Mais tout, U.S. Court de Eastern de New York, Sager vs. Trump, c'est ça qui a un rapport typiquement avec Haïtien. Qui ont l'autre encore qui c'est U.S. Court de California dans cas Batara IVS Nielsen sont l'autre et donc yo rappelé nous te gain effectivement nous songe ça 14 septembre 2020 sot passé dans Appeal Court yo te campé injonction en California. Toutefois étant donné que Appeal Court ça pas by directive et pour distria pour faire pour décision ça capable effective injonction de Ramos la li de mise li de mise bénéficiaire qui en bas TPS Salvador, Nicaragua, Soudan, Honduras, Népal a kembe TPS yo et bien entendu et a kembe TPS yo tout autant que préliminaire injonction ça a arrêté de mise même genre pour Haïti et Haïti tout a toujours kembe TPS tout autant que Ramos Sager a tout rete en effet. Vous soulignez ça pour vous. Bénéficiaire qui sous TPS Haïti a kembe TPS yo autant que Ramos Sager et rete en effet. Rete et en effet. Ça veut dire en parlant de ça de New York là pour montrer une bon particularité. Vous êtes séparé par Haïti. By the way, notice ça m'a pris là. Vous capable aller dans le Federal Register. Soit aller dans section qui est les public inspections et que vous tapez tout TPS ou Haïti ou capable de joindre, ok? Donc moi m'aller dans temporary protected status et m'tape temporary protected status Haiti bien qu'elle pas publié
même aller dans public inspections moi joindre ni c'est lui que moi gagne dans même là tout là alors que le poko publier c'est lui me gagne dans même là OK dans moment m'a parlé avec moi là donc on continue bah au détail pour qu'on ait exactement ça qui va le faire. Yo dit que quatre travail wali automatiquement extension quatre qui dans moi là OK yo et tout document TPS yo yo automatiquement éteint yo pour jusqu'à 4 octobre 2021 OK 4 octobre 2021 maintenant et on va essayer regarder exactement pardon mais ça a dit c'est presque même bagaille et la fois passée et bossou pour toi travail là yo dit yo parler de qui ça qu'a montré OK yo parler de automatique extension là et bien ou capable présenter notice à fédéral registre là avec ancien carte ou qui expiré là comme preuve que ou toujours gain droit pour travail by boss là les boss a parlé et ça yo dit même chantou une DMV ou capable présenter fédéral registre là avec carte expiré pour vérifier justement validité ou gain droit pour fonctionner dans pays là et pour jusqu'à octobre 2021 et ça pas empêché j'aime toujours dire DHS dit yo bon droit ça si ou ouvle il pas gain m'a répété bien ou pas gain obligation pour remplir quatre travail ou pas gain ken forme pour remplir là TPS pas gain ken forme pour remplir de manière légale mais gon bagay qui volontaire si ouvle ou capable di ou faire application pour gagner un lot carte de travail. Voilà. Économie en di ou gagne droit pas gagne l'argent, m'ta vle comprendre d'après ça qui sorti a ou pas gagne obligation. Si m'konnen ba yo di gagne moun ki perdi travail yo, gagne moun pou al 410 $ pas facile. Mais m'a dit pour tout moun ki ka joine $410 ke ou an ki fait 4 ou font l'autre 4. Mais toujours ba ça comme advice. OK, de pou ka joine. OK, ou faire pour plusieurs façons. C'est peut-être des moun qui et pas comprendre bagay ou bien de trois compagnie qui a parlé pas seulement pour compagnie. Par exemple, on a dit parce que gon moun ki te gon bagay comme ça, li pral renouveler Obamacare. Gon moun bagay pou ta présenter, yo mande le cadre travail. Sou imagine le pral expliquer agent ça gagne pas vraiment assez informé pour ça donc pour éviter d'être chargé rebouter gon l'autre cap travail dans mon date c'est trop fait comprendre so gagner certaines activités que moun yo bon bon monde qui pas assez formé comprendre donc et bien que on te ka gagner moun normalement on te ka même prendre avocat pour lui parce que c'est la loi qui dit ça bon maintenant si m'gen $410 si $410 pas déranger on font l'autre cap et puis pas déranger il n'y a pas de contrainte pour moi. Moi, je préfère faire application que moi gagne un autre cas de travail. Donc, ça, c'est conseil. Comme toujours, il y a des gens qui ont vraiment vrai à vous dire si vous avez fait le mal, vous avez dit ça, vous avez dit que vous n'avez pas de mal. Vous comprenez? Donc, c'est conseil. Mais, j'en dis là, vous n'avez pas pour faire. Vous êtes capable toujours et argumenter à n'importe qui. Mais, Fédéral Registre, c'est ça qui dit. Ok? N'importe côté. Et ça la loi dit. Maintenant, est-ce que vous avez fait application pour TPS là? Oui. Mais qui papi a non? OK. Ou capable justement faire application pour TPS. Mais faut être d'accord pour nous comprendre. C'est un cas exceptionnel. C'est le cas où monde qui pour une raison pour l'autre l'ité là. Et que le pat, pour une raison pour l'autre, il faut être oublié, il va t'appliquer dans la période de ta balle. Ou bientôt, il y a un monde qui est déjà sous TPS là, il y a un fonds renouvellement, il n'est pas renouvelé. Mais à ce moment de la durée, faut, en fait, moi, je vais m'aider à un monde dans la balle, il faut avouer une lettre
pour expliquer contrainte mais sortir rien ou pas bien expliquer bon genre contrainte qui fait que ou pas t'appliquer les ou t'as fait re-registration pas bien que ça sorti là li pa yon re-registration ça veut dire ou pas bien pour réinscrire dans moment là ça d'abord donc là on a parlé de des monde qui pas réinscrit là où tu as préinscrit dans période où tu as préinscrit bien des monde qui pas inscrit du tout là m'a parlé de monde qui était là pour 2011 et 2010 et bien yo dit ou capable faire mais bah avant il fait quoi non faut accompagner de une lettre de un support ça relé pour démontrer good cause bonne raison que ou pas enregistré c'est ça pour nous capable comprendre OK. Donc, ou même là, si vous avez un pending 4 travail, vous avez bon, ça pas gagné, ça pas rempli. Si vous avez un 4 travail, vous avez tout barou là pour octobre. Vous comprenez? Si vous avez un temps fait, l'été dans août, ça va aller pendant août là. Si vous avez un temps produit, bien entendu. Si vous avez un temps produit, vous avez un temps produit, non, mon cher. Si vous avez un temps produit, vous avez un temps produit qui est là pour 4 janvier. Vous comprenez? Yeah, effectivement, si par exemple, il peut être coproduit, ok, mais depuis qu'il est en produit, il n'y a pas le choix. Non, parce que c'est après publication, il y a une autorisation pour Baou, octobre 2021. Mais depuis qu'il peut être publié, ça ouvre le Baou, c'est une pour janvier. D'abord, il y a ça que vous entendez. Depuis notre notice ou paraître qu'on est là, on a décidé de faire 4 travaux. Ok? Maintenant, pas bien que d'abord tout détail ont été branché avec nous, il y a un bagage qui dit que c'est pour la première fois qu'il dit ça. Et contrairement avec l'année dernière, yo parlé de futures actions possibles. Yo dit pour être capable en compliance avec district code. Ça qu'arrivé que yo fait désignation TPS. Regardez bien, il a dit désignation, vous comprenez bien, là nous va entrer dans re-registration. Yo dit c'est une possibilité pour que yo désigne TPS. Pour Salvador, pour Haïti, pour Honduras. Tout dépend de ça qu'elle dit dans la côte là. À ce moment de la durée, yo anticipé, yo capable de demander moun sa yo pour yo réenregistrer et y a annoncé procédure pour réenregistrer dans sa nouvelle éventuelle ou bien future note cap sorti dans fédéral. Registre. Département Homeland Security gen autorité pour conduire sa nouvelle réinscription TPS suivant la loi. Réinscription son bagage généralement yo dit qui aller sous 12 à 18 mois pendant que pays a désigné. OK? Donc voilà, yon bagage ki yo pa di, yo dit dépendamment de sa sorti nan côte. On a parlé de code, on est plus concerné avec Haïti, avec l'autre, mais nous connaissons et causé California est presque cuit puisque nous sommes content par l'administration en raison. Donc, nous parlé de une éventuelle possibilité pour que nous fait réenregistration, réinscrit, que nous pas mentionné dans notre antérieur. Ok? Donc, côté que nous avons pour 12 à 18 mois. Il y a longtemps, bien entendu, vous n'avez pas 18 mois ça. Ça fait longtemps. So, vous va comprendre. Vous avez à la fois Ramos et Sage. Ramos Haïti la donne, Sage Haïti la donne. Ramos ça, m'a rappelé encore. Vous gagné. Vous avez un pouvoir pour le camper dans le cadre de Ramos là. Mais, yo a pile côté là pour finaliser. Il fait que yo pas prononcer. Sagère ce qui pour Haïti a yo pas même tendé yo même. OK? Yo initié parce que pour comprendre dans qui étape que ni là. Yo initié à pile là, yo pas ko gain, yo pas même tendé yo même. Donc ça t'a veut dire moi me penser en sérieux dans Haïti a Biden ka résoudre ça facile, me penser que comme c'est lui c'est le gouvernement qui fait appel, le gouvernement qui doit dire retirer appel. Le gouvernement qui doit apparaître, il dit abandonner appel.
puisque yo pou kontan d'el. Est-ce que vous comprenez? Donc par ici avec Biden, nous pensons que le cas résout bien facile, nous disons bon, nous baillons pile Laval. On avait dit tout était. OK? Et maintenant, fond d'accord. Tout le monde va dire là même besoin parler puisque Trump va aller. Je t'ai parlé, si TPS a terminé, on va gagner 120 jours. Est-ce que vous après ça, on va gagner 120 jours pour il y a bon 120 jours pour camper. Vous comprenez? Ça c'est si ou éventuellement. Pour bailler quand tu as fait pour Haïti, faut tu as gagné deux en fait, yo gon premier, faut tu as finalisé avant ça et faut tu as gagné ça à tout. OK? Donc yo parlé de 120 jours tu as gagné devant form issuance là. Vous comprenez? Yo tu as bailler 120 jours pour décision entrer en application. Alors que pour Salvador, moi yo parlé de 365 jours. Il dit qu'on préférence, nous sommes j'étais gonti à quoi de faire avec Salvador qui fait bail ça. Il dit Salvador, là où t'as pris une décision, si où t'as campé sous type ça, où t'as bail 300. Mais tout ça, nous pas besoin de parler de yo. Là, on a parlé de, bon, en tout cas, au cas parler, il va pouvoir être sinon qu'à parler de Liverpool. Jusqu'à présent, qu'à parler de Liverpool notre pays, on pas oublier que Trump vient à pile côte là. Biden monté, là à pile côte là, bail procédure lui. La vle di ça vle di azami pa la vle di que yo avait dit décision qu'on prend pour le camp TPS pour Salvador li effective et ça vle di par contre vous comprenez nous m'a parlé de dans cas de Ramos là Biden monté si je dis OK yo va dire que décision ça de mise et par conséquent et c'est là la loi complexe oui. Par contre qui ça Biden va le faire. Il va l'obliger d'y soir. Ah non, non. Ça, c'est un gros débat. Non, à pile qu'il y a déjà gagné. Et de toute façon, il a fait tête au travail pour connaître qui ça y aura le fait. C'est l'autant de y a gagné à pile. Là, il dit que décision président te prend, li, de mise, li appliqué. Ou son l'autre président qu'on est là. Maintenant, ça va le dit, ou gagne de choix, c'est ça va le faire. Y a une autre redésignation. Ça veut dire qu'ils ont pas redésigné on l'autre TPS et qu'ils ont pas formaté un TPS pour Salvador. Bon, c'est toujours possible, ou laisse on pas faire peut-être son autre base. On va le faire sous base coronavirus ou ensemble. Bon. Bon, de toute façon, c'est un dossier à suivre. Mais ma côté, nos délicatesses qui gagnent lorsque Apple Code pour l'autre pays, ou bien dit que Donald Trump gagne. Par conséquent, le dit décision, ça, il est capable d'exécuter. Donc, sur le plan juridique, ou parle de Biden qui parle de difficulté pour le dire, la continuer kembe TPS pour pays ça. Alors que la justice dit, décision que tu prends avant, ni de mise. Donc à ce moment de la durée, bah, on a le droit dans l'executive order, côté qu'il a droit dire, bon, li rentre décision ça. Li ka choisi. Yon lot executive order pour dire que li entre décision ça. Ça, son l'autre choix. OK? Mais ça va concerner Haïti, parce que dans le cas d'Haïti, li gen sa gère. OK? Donc, ça va nous comprendre. En tout cas, nous connaissons dans le cas d'immigration, Joe Biden dit lui-même, les 100 premiers jours, là, il fait promesse là, il dit 100 premiers jours, plan immigration écrit la voie par le Congrès. Et plan qui s'allie. C'est papier pour tout le monde. Mais n'abdi, nous pas voulu faire mon n'abdi pour tout le monde qui sont ils vont bagarre qui sain. Biden dit mais c'est bon bagarre, j'en te dire que l'a fait comme ça. Attendre que pour gagner une véritable bataille, c'est pas je dire, il a parlé de réforme immigration. C'est pas pour il pas pour grand si ça fait beaucoup gens qu'a fait. Donc ce va être une véritable bataille de la part justement de Joe Biden dans objectif ça. Ça arrive que il pas bail tout le monde papier genre là dans plan ça arrive que c'est TPS que le bail simplement mais quand même voilà couchon bagaille pendant 4 ans puisque il te promet donc on veut dire non que pas penser que son bagaille va faire comme ça là parler du bail monde papier pas bon ici il y a des séries de monde qui prêt pour éclater c'est ça pour comprendre OK guys
Et donc, il a bien dit dans le cas de TPS pour bénéficier de Haïti, capable de toujours continuer qu'un statut en bas préliminaire injonction de sagesse. Ouais, ça veut dire, il a précisé ça pour moi encore, pour montrer que, effectivement, dans le cas d'Haïti, il s'agit de deux injonctions. Donc, Haïti, comme tu as dit ça, préparé et il y a deux couvertures, il y a deux protections. Mais qu'on est là, on connaît que, justement, et avec où il y a Trump qui peut aller, so, pas ta supposé gagner trop souci, non, causer ça. Donc, nous pensons que nous avons tout update yo dans ce moment-là. Mais par conséquent, on va oublier que lors du TPS, tout, même à tout citoyen, ou capable, ou capable de déporter tout autant que soit fait des autres dans le pays. Ça veut dire que c'est case by case. Pour une raison, pour une autre, ou capable de statut du pays ou capable de déporter as long as qu'on a fait avec la loi, ou on a battu avec le monde, ou a payé de faire des ordres, vous comprenez? So, as long as que vous jouez que bah ou pas cohérent, ou te gon application, te disons l'autre bagay, ou vin jouen dans l'autre application, bah ou menti, ou comprenez? So, yon ensemble de bagay qui capable de faire que vous campé TPS, ou comprenez? Donc, c'est ça, vous comprenez? Donc, moi, c'est que, bah non, et tout détail et ce que vous expliquez ça, vous expliquez nous dans même notice ça, et sous pas le fond, sous un nouveau job. Ok? Vous avez tout, toujours présenté fédéral de registre, vous comprenez? Avec quatre travail. Parce que vous avez bien dit, l'aime, je un job qui document pour montrer compagnie comme évidence que. Gen pour le remplir parce que une forme qui relé INI c'est forme pour un employment là, vous comprenez? So qui gens ou pas le remplir. Je dis après 3 jours que au final il faut présenter document ça, vous comprenez? Et ou bay identité, ou bay pièce d'identité, ou employment authorization là et puis bien entendu ou bay social security ou et puis ou gagner justement fédéral registre là au bail et comme notice qui expliquait que employment authorization li étonne de manière automatique. Donc voilà et yo bail toute explication par exemple dans page yo gagne pas page tout page 17 là il a expliqué qui document pour me présenter boss moi le sim déjà en dedans et que TPS moi expiré. Yo bon toute explication hein. Bon ça va aller dans page 17 là et pour li ouais gens tout bagaillé. Donc c'est un document de 25 pages et nous justement ouais nous arrivé dans 17 pages là on yo gen là dans note pour employeur et yo gen là dans note pour employé. Donc ça t'a dit et yo dit que employé a pas qu'à terminer ou il pas qu'à camper training ou il pas qu'à diminuer travail ou yo bon tout droit ou bien entendu depuis qu'ils ont pending yo expliquer tout ça yo bay des numéros pour ta relé pour assistance ça mandé parce que mon connaît bon bon monde comme ça gain des compagnies qui prend mec de yo et même les voter notice by the way sous ca écrit numéro téléphone ça web authorized employee will receive. Ok, you buy the série de numéro dans mon gade. You parle de final non-confirmation. Ok, so. Ou capable ou capable email à INI Central DHS. Ou comprenne? Ou capable relayo. Prends plume écrit relayo dans numéro ça. 800-255-76-88. C'est à pas mal. Deux, ou à des compagnons. Mes numéros, je vais relever pour vous. Mes numéros, je vais vous relever pour vous. Parce que l'état sur ton bagage, ou même, je vais vous expliquer mon bon bagage. Parce que
me fait expérience gagner série de monde qui toujours plein qui dit bon ça dit ceci bon ça dit c'est là bah ça bon ça dit pas besoin qu'on ait c'est un cadre pour le montrer il vient dire faut ben mon reçu un papier qui sorti dans DHS même comprend et ben ça il dit et l'état tout ton note OK so parce que nous clair là aujourd'hui hein, et nous bon tout update yo pas oublier et si vous passez bon c'est la première fois restez et pas oublier pour rester subscribe avec nous parce que bon c'est à nous bail toute dernière information qui lie actualité par bon sur les États-Unis ça qui a un rapport avec immigration nous partager avec vous c'était un plaisir guys portez-nous tout bien et n'a croisé encore bye bye tout le monde.